salut tout le monde! Oula, la voix qui part en couille dès le début de vidéo, c'est cool. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien. C'est Percy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo de Binding of Isaac Afterbirth. Donc, tout simplement, on repart en challenge. J'avais envie de faire la computer saving. C'est parti. La dernière fois, vous vous rappelez, je vous avais dit, j'hésitais entre la computer saving et... et l'autre, du coup maintenant bah j'avais fait l'autre. Et là on part en computer savvy. Alors oula, ça c'est assez chelou. En gros je suis une sorte de machine de guerre. Je suis un cyborg les gens. Alors c'est plutôt pas mal. Ah ça va directement sur mes ennemis, c'est cool. Putain on fait que les trucs cheatés en fait. On fait que les trucs ultra cheatés nous. Ok bon on a déjà trouvé le boss, nickel. Boss number one. Qu'est-ce qu'il me donne lui? Ça, je sais toujours pas ce que c'est, tant pis. Allez, c'est parti. Larry Lafranc. Larry Lafondu. Alias Larry Junior. Également surnommé Larry. Larry Elastico. Voilà, il m'a pris en sandwich. Bâtard. Casse-toi. Ok, nickel. Putain, je récupère quand même un petit cœur. Lame. Voilà, nickel. Regardez, j'ai une tutu, c'est trop mignon. Allez, let's go. Vais-je réussir cette fois-ci à battre Larry Lafranc, alias la maman de d'Isaac. Je sais pas pourquoi je l'ai appelé comme ça d'ailleurs. Simplement dit un truc au pif. C'est nickel ce truc. Putain, ça va directement sur les ennemis quoi. Plus besoin de se faire chier. Putain, on prend que les trucs ultra cheatés. Donc que les challenges ultra cheatés. Moi je vous propose pour la prochaine fois, on fasse pas un challenge, mais on fasse une run normal. Une run normal, exactement. Une run normal. Tac tac tac. Bon, c'est pas grave, on n'a pas besoin. Si quoi que, les or des fois ils donnent des trucs sympas. Alors, on va prendre l'or. Et bah regardez, hop, plein d'or. Haha. Bon, j'ai quand même eu un cœur au cas où que je me prends mal. Que je me prends mal, carrément. Le mec il va se prendre mal quoi. Le mec ça va quoi. Ça va pas être pas du tout. Ok déjà j'ai l'impression que je suis un peu plus mal au caca que la dernière fois. N'hésitez pas à aller voir la dernière fois, c'était plutôt sympathique. J'ai plutôt bien géré première fois que j'avais terminé Binding of Isaac. C'était plutôt sympa. Alors. Ok, donc ici déjà j'ai trouvé notre boss. Hop, on attend qu'il barre. Voilà, nickel. Ok, monsieur caca, c'est plutôt sympa. Lui, il va me cracher dessus, ce con. Espèce de gros porc. Ok, déjà je n'ai même pas besoin de bouger. Quoi. Il bosse, il bouge même pas. Quoi. Ah, salope. Voilà. Non, mais c'est de la merde ce boss. Sur deck. Et le boss il bougeait même pas, ça sert à rien. Putain, je suis deg là, je suis blasé, c'est bon. Ok, une zone dans l'eau. Ça pue le caca. Ah non, mais tu fous de moi? Mec, sans déconner. Waouh, tu te calmes. Le mec en plus c'est un gros caca et puis quand on le détruit il devient un petit caca. Deux petits caca, c'est encore pire. C'est encore pire qu'un seul. Ok, il y a un truc là-bas. Alors, on va check lui là-bas. C'est plus proche. Oh putain, lui, il fait mal lui. Tac. Ah merde, c'est vrai. Son sang est plus la merde. Oh, putain, le bleu, je l'avais jamais vu avant. Waouh, c'est quoi ce truc? Ils sont gentils ou pas? Ils ont l'air d'être gentils. Plutôt pas mal, ils ont l'air d'être gentils. On va aller tout en haut. Je le sens. Ok, pas du tout. Je le sens pas du tout. Allez hop, on va aller à gauche. Là, je le sens bien. Ah putain. Plein de gros caca. Ah merde. Bon, d'accord, il m'agresse quoi. Ah, il meurt. Saleté. Ok, oh là j'ai un petit cœur, nickel.
Ça, c'est nickel chrome. Peut-être en détruisant les petits caca là, on va peut-être avoir un truc. Que dalle. Génial. Bon. J'aimerais bien avoir un petit avantage quand même, un petit peu là. Bon, je sais encore, notre truc il est ultra cheaté quoi. Regardez quoi, comment c'est ultra cheat. Ça se fait même pas quoi, c'est même pas. C'est même pas légal. Tac, voilà, ok. Nickel. On fait une salle en moins de 2 secondes. Chose qu'on ne ferait absolument pas en dail normal. Enfin, en run normal plutôt. Oh, putain, ils vont niquer. On fait trop mal. Ah! La merde. Je crois que c'était un cœur entier, alors on va faire plutôt gaffe. Yes, nickel, ok. Attendez, il m'a donné quoi lui? Ok, bon. Ce que je vais faire, du coup, c'est je vais récupérer le cœur parce que je vais combattre le boss quand même, c'est pas rien. Hop, nickel. Combattre le boss avec tous mes cœurs, ce qui est plutôt pas mal. Normalement, je sais qu'on peut faire afficher le temps de jeu. Alors, comment on fait, je ne sais absolument pas. Mais je sais qu'on peut le faire. Donc, oh putain, non, pas ça. Je me rappelle plus ce boss-là, il faisait ça. Quoi. Oh putain, t'es sérieux, mec? Allez, vas-y, 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 vas-y. Waouh, c'est trop mal. Allez, vas-y, 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 vas-y. Oh là, oh là, par contre, ça, ça fait mal. Ça, ça fait mal. Ok, nickel. Alors, on va récupérer un cœur, on va éviter de mourir. Evil Up. Alors là, je sais pas du tout ce que c'est. J'ai reçu 7... j'ai reçu... des petites bombes, ce qui est plutôt pas trop mal. J'arrive vers la fin également. Hop, on voit ce qu'il y a ici. Il y a des bombes, plutôt pas mal. Hop, on va récupérer la clé. On va récupérer ça au cas où que j'en aurais besoin. Comme ça, maintenant je sais qu'ici il y a des petites petites bombes. Un petit cœur. Ça, je sais pas ce que c'est. One makes you small. Ok. J'ai tout petit. J'avais même pas remarqué. Ok, pas mal. Alors, ici j'ai des cartes. Justice, Lovers. Ouais, ça je sais pas ce que c'est. Ok, on va garder ça, je sais pas ce que c'est. Hop. Oh là. Putain, ils font mal. Enfin, ils font mal. Ils sont chauds à tuer. Ça meurt. Non mais tu te fous de moi mec. Non mais incroyable. Ok, on va en bas. Ok, ici j'ai un autre cœur. Putain, les mecs ils croient que je suis nul à chier ou quoi? Pour mettre des cœurs, pour mettre autant de cœurs là. Quoi? Ah. Ok, il doit en rester un je pense parce que je crois pas que j'ai... Ah voilà, il est là. Ok. Hop, on récupère ça. On récupère ça. On va aller là également. Ok, ici il y a que dalle. Génial. Ah mais crève. Oh putain, non mais moi. Bon, en tout cas, je suis pas fait avoir mon... Enfin, je me suis fait avoir, oui, mais c'est pas vraiment ça que je voulais dire. Au niveau de mes vrais cœurs, plutôt en fou. Mon cœur gris, pas plus cher. Tac, elle meurt. On va aller par là. Ok, y'a que dalle. Vous avez vu, je me préparais déjà à attaquer quoi. Le mec qui est le flip le plus au monde. Normal. Ok, royalement. Là, par contre, eux, ils envoient du bombe de caca. Ok, je combat contre un méga sumo de la mort qui tue. Je pense que son sang doit être assez sale. Ok, le mec il vomit dessus et tout. Ok, normal. Je crois qu'en fait il fait très très mal.
Mais moi je fais assez mal aussi, je crois. Voilà, et pourquoi il avance tout seul vers lui? Ok, vas-y. Putain, le mec il doit se défoncer le trou de balle. Ah d'accord, il m'appelle en fait. Il dit, viens, Percy, viens. Oh bâtard! On va sauter dessus. Ok, on va récupérer le demi-cœur et le cœur. On récupère l'HP up, qui est plutôt pas mal. Là on est bien. Malheureusement on fait pas trop de dégâts, ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Ok, donc là on se retrouve ici. Oh putain, je m'en doutais. Oh putain, il met trop mal. Oh, wesh, wesh. Oh. Waouh, 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 meurs. C'est bon? Ah non, pas du tout. Voilà. Alors, extend stat effect time et luck of the draw. Ok, on va prendre luck of the draw. Ça me semble un peu plus utile. Même si c'est pas du cas, on s'en fout. Hop, on prend ça. Ok, nickel. Alors ici j'ai quoi? Ok, le mec il fonce dessus. Tout à fait normal. Les top pickers. Ça a pas l'air d'être les mêmes top pickers. Ah merde. Et qu'il reste là quoi. Il attend d'être touché. N'importe quoi. Putain mais crève quoi. Ok, allez on va récupérer le micker. En passant on récupère tout ça. Lovers. Oh nickel. Oh nickel. Par contre j'aurais pas dû utiliser le deuxième. Parce que maintenant si je combat contre le boss et que je suis dans la merde, et ben je suis dans la merde. Putain, il veut pas le récupérer dès le départ l'enfoiré. Il dit non. J'ai pas envie. Et il en manque pas quelque part. Ouais, il manque lui. Là-haut, ça me semble juste. Là-haut, ça me semble être la salle du boss. Ok, par contre, eux, ils vont se calmer direct. Je suis pas le genre de personne à apprécier tout ça, moi. Allez, là-haut, j'ai dit que c'était la salle du boss. Alors, si c'est pas la salle du boss, eh ben, c'est pas la salle du boss. Le mec il s'y croyait trop quoi. Le mec c'est bon, il a décidé d'un truc, du coup c'est obligé que ce soit ça. Et bah non monsieur, non, c'était pas ça. Ok, moi je dis à gauche c'est la salle du boss. Ok, pour le moment il m'a surtout niqué un cœur. Un demi cœur. Allez, à gauche c'est la salle du boss. Du coup j'ai dit que c'était la salle du boss. Du coup c'est la salle du boss, ok. C'est quoi ça? On connaît pas. Hop, speed down. Ok, je sais pas ce que c'est. Ah, vous avez vu, je vous l'avais dit. À gauche, la salle du boss. Et qu'est-ce qu'il y a à gauche? Et la salle du boss. Allez, c'est parti. Oh, lui, je le connais pas. Oh putain, il est sous moi ou quoi? À créer plein de caca comme ça là. What? Qu'est-ce qui se passe? Je comprends plus rien là. Calme-toi, mec. Tu vas l'avoir. T'en fais pas. Monsieur Propre passera par là. Hein? D'ailleurs. Oh putain, il a plusieurs phases, le bâtard. Crève, salaud. Ok. Ultimate Grand Suprême. Je sais pas ce que c'est, mais on va dire que oui. Là-bas, il y a une autre petite pièce. Ok. Nous sommes aux enfers. C'est le moment de vérité, les enfants. Le moment de savoir si on est fort, si on peut combattre notre mère. Notre mère la terre, notre mère tout court. Ah putain, oh, 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 tu te calmes. Le moment. Alors attendez, j'essaie de faire un discours potable, ok. Ça a pas l'air de trop marcher. Ou par contre, parce que là, il y a notre maman. Crève. Non mais fous-moi. Mec, il fonce dessus, quoi. No problem. Laisse tomber tes problèmes. Viens avec nous danser. Ok, on se calme. Ça a quoi, ce truc? Ok, nique ta mère.
N'importe quoi. Alors, oula, oula, masse de monde, masse de monde. Oula, masse de monde est pas très joli en plus, hein. Quand je dis ça, je dis rien. Quand je dis ça, je dis rien. Ah, ok, nickel. Nous mettre un pire mec, quoi. Allez, en bas, c'est la salle du boss. Ou pas du tout, le mec il s'y croit à chaque fois, quoi. C'est quoi ce truc? Tiny Tears. Ok, j'ai l'impression d'être encore plus petit qu'avant, quoi. No problem, quoi. Ok, bon, lui il a cru, il a joué, il a perdu. Hein? On va dire. Ben voilà. Hop, toi t'es mort. Hop, toi aussi. Allez, moi j'ai dit à gauche, c'est la salle du boss. Alors, on continue. Oh le bâtard! Il m'a enlevé un cœur. Culé de merde. Ok, ils vont me courir dessus. Ouais, nickel, m'en doutais. Ah l'enfoiré, il m'a enlevé un cœur quoi. Je me sentais chaud et tout, puis là, hop, il m'enlève un cœur sans crier gare. Gare! Alors ça, c'est la blague la plus pourrie du monde. Sans déconner quoi. Oh, plein de bombes. Vas-y, on s'en fout, on va récupérer les bombes. Bah, allez, 21 bombes. On va tout utiliser pour la mama. Alors, si je me souviens bien. Alors, si je me souviens bien. Ouais, c'est bon, il y a un petit chemin qui mène en haut. On dit tous les chemins mènent à Rome. Mais actuellement, ce serait plutôt tous les chemins mènent à la mama. Hein? Ok. Alors, on va vraiment se calmer au niveau des blagues de merde. Parce que là, on peut plus rien faire à partir de ce moment. Je sais pas ce que c'est. Oh yes, bitch. Tac. Coucou. Allez hop, on en prend. Allez hop, on prend ça aussi. Ok, nickel. Là, le mec, il se croit trop riche et tout. Il achète tout dans le magasin. C'est trop un peu gênant, quoi. Hein. Le mec, il s'y croit trop, quoi. Par contre, si je suis obligé de passer par le chemin avec les pics pour pouvoir aller voir la mama de ton mama, c'est mort. Des bâtards. Allez, bon, vous savez quoi? Ah, ok, d'accord. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Ok, je combats contre la mame. Allez, crève, salope. Allez, meurs. Par contre, vous voyez comment je lui en fais pas de dégâts du tout comparé à la dernière fois? Là, c'est incroyable. Ah non, mais, hé, ma mère, ok? C'est beau de dire ça parce que ma mère et tout. Vous voyez ce que je veux dire? Putain, mais arrêtez de me faire mal! Ça se fait trop pas. Mais arrêtez! Ça se fait trop pas, honnêtement. Putain, elle me met trop cher. Salope, quoi. Je fais gaffe parce que ça se voit, elle va m'écraser avec son gros pied dégueulasse. Regardez, elle met... je suis sûr, c'est son gras qui passe. C'est dégueulasse. C'est absolument dégueulasse. Ah non, mais fous de ma gueule, moi gueule. Fous de moi gueule. Parce que tu te fous de moi gueule. Ok, alors là, c'est le gros bordel total. Ok, nique ta mère. Ah, blague de merde. Eh oh, tu te calmes, maman. Tu me connais pas, moi, hein. Je suis ton fils, mais. Ça va pas se passer comme ça. Moi, je vous jure, si un jour ma mère me dit, chérie, il faut qu'on parle, avec un couteau dans la main, moi je lui dis, maman, tu fermes ta gueule, ok? Ah merde. J'ai pas envie de t'écouter. Eh, je vous jure, je meurs alors qu'il lui reste plus que ça comme vie. Moi, péter un câble, ok? C'est bon, j'ai tué. On récupère tout, nous, on est comme ça. On peut repartir en arrière, d'après ce que je vois. Qu'est-ce qu'il y aurait en arrière? Qu'est-ce qu'il y a par là? Je me rappelle pas de ce coin. Hop, on va voir ce que c'est quand même. Oh merde! Putain! Ah! Ah, c'est Satan! Arrêtez! Arrête! Non, je veux repartir!
putain, il saoule ma gueule. Depuis quand il y a un autre boss? Non, je suis pas venu pour mourir maintenant, ok? Oh putain, il te fout ma gueule, hein. Va te faire foutre. Je te laisse ma mère, ok? Tu peux la garder. Oh bâtard! Et reviens, reviens, reviens. Tac, nickel. Quoi? Non mais ils soudent moi? Non mais ils mettent tous les boss quoi! Crève à des rétros dans le Thanas. Dans le Thanas. Oh putain, ils m'ont encerclé. C'est bon? Bâtard, 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 bâtard. Oh putain, il tire plus loin le bâtard. Vas-y, sors, sors, sors. Ok. Ok, normalement là je suis immunisé contre toute attaque terroriste émanant de Bing League of Isaac. Esquive, esquive. Merde, attendez, où suis-je? Putain, eh, par contre, avec deux cœurs là, on en parle. Un cœur, j'aurais dû me taire. Où est-ce qu'il est? Oh, ta mère. Ok, de là, normalement, ça devrait le faire. Là, normalement, il meurt. Nickel. Quoi? Mais arrêtez! Ça se fait pas, ok? Si je meurs ici, je pète un câble. Honnêtement. Quoi? Parce que ça se fait pas, ce qu'ils viennent de faire. Me foutre des boss comme ça, au calme. Allez, vas-y, c'est la fête. Non mais, sans déconner. Putain, mais en plus, ils me mettent plein de mobs en... Non mais, sous ma gueule. Rends-moi ce cœur. Casse-toi. Merci. Sans déconner, quoi. Mais what? C'est l'anarchie la plus totale. Pourquoi il subit ce con? Putain, il y a un caillou devant moi. On est connu. Il est où le bâtard? Allez, crève. Est-ce qu'il est bloqué ou pas? Ah, bâtard, il y a un mec là. Quoi. Putain, arrête! Oh non! Non! Le bâtard! Et là j'ai perdu? Sans deck. Non, attendez. Oh, ça se fait trop pas. Je ne savais absolument pas ce qu'il y avait. Et ils m'ont fait perdre ma run. Enfoiré. On va dire que j'ai réussi quand même, s'il vous plaît. Je la recommencerai, bien sûr, en off, du coup. Parce que je l'avais réussi, hein, quand même. Faut pas déconner. Sur ce, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner, à me suivre également sur les réseaux sociaux. Sur ce, moi, je vous dis, portez-vous bien et à bientôt. Allez, tchuss tout le monde!